C'est en voyant un dessin préparatoire pour le film Dune, fait par un illustrateur anglais qui s'appelle Chris Foss, que j'ai eu le coup de foudre. Ça a été un éblouissement devant ces dessins d'un réalisme photographique incroyable, qui faisait croire à la réalité de ces choses imaginées. Et j'ai commencé par copier ces dessins, consciencieusement. Et petit à petit, j'ai amélioré ma technique, j'ai fini par créer moi-même des vaisseaux spatiaux, des visions de l'espace, et puis régulièrement en travaillant, je suis arrivé à une technique à peu près valable pour pouvoir passer des concours d'entrée à des écoles d'art. Je voulais simplement voyager en imaginaire, en imagination, en dessinant mes propres engins spatiaux. C'est pour ça aussi que j'ai une technique très réaliste pour essayer de faire croire, déjà de me faire croire que l'image est possible et viable. Que ce décor est possible, que cet univers est possible. Et donc, c'est une espèce de fenêtre que j'essaye d'ouvrir sur le futur, ou sur le futur tel qu'on l'imagine, ou qu'on aimerait qu'il se réalise. Je commence par faire un crayonné, de plus en plus précis. Une fois qu'il est fixé, je retourne la feuille et je redécale avec un stylo Rotring 01, pour être précis, tout le dessin. Et par transparence, après, je vais peindre en suivant les tracés qui sont dessinés au verso pour reconstituer l'image. Donc je travaille zone par zone, couleur par couleur, à l'aérographe, ce qui nécessite une technique de découpe de cache très précise. Donc il faut exactement que je sache où je vais, que je sache d'où vient la lumière, où sont projetées les ombres, pour visualiser l'image finale avant qu'elle soit entièrement exécutée. Bon, il y a certains artistes qui travaillent à main levée, sans cache. C'est une technique très difficile parce que il n'y a pas droit à l'erreur. Ma technique, c'est les caches. Donc j'ai des contours très très précis. Bon, quand je veux des contours flous, plutôt que d'utiliser un cache adhésif, j'utilise des feuilles de papier découpé. Donc l'air peut passer un petit peu en dessous, ce qui fait des contours flous. Et autrement, je travaille avec des brosses pour faire des effets de matière. C'est une technique extrêmement fastidieuse et un petit peu rébarbative, mais qui apporte des satisfactions quand le travail est fait, qui valent l'effort accompli. Alors ça, c'est venu petit à petit, c'est-à-dire que c'est le métier. C'est le métier qui rentre, c'est le métier, c'est comme un compagnon du Tour de France qui finit par faire son chef-d'œuvre parce qu'il a accumulé une pratique et... une dextérité à force d'effort. Bon ben, moi c'est comme ça que je conçois mon métier, c'est-à-dire que j'essaie toujours de m'améliorer. Et ben, au bout de quelques années, ça finit par faire une technique qui semble inaccessible. Mais c'est simplement une échelle que j'ai montée, que j'ai gravie échelon par échelon. Je pense que tous les artistes sont des explorateurs. Ils vont dans des endroits où personne n'a été. Ils essayent un peu de montrer des horizons nouveaux. C'est dangereux peut-être, oui, pour l'artiste, oui. S'il voit qu'il arrive nulle part. C'est sûr que c'est un privilège de dessiner, de faire ce qu'on veut, en fait. Bah, ce prix à payer, c'est l'insécurité financière. Bon, en tant qu'artiste, c'est le risque de déplaire. Et puis le risque d'être passé de mode. Donc c'est des risques surtout matériels, je pense. Alors le cache, c'est une feuille de plastique transparent semi-adhésif. Ça permet le repositionnage sans déchirer le support. Donc on l'applique sur la feuille et on découpe avec un scalpel la zone que l'on veut peindre. Et puis une fois que cette zone est peinte, on enlève le cache et on passe à la zone suivante. Il y a une filiation d'artiste en artiste, de génération en génération, bon, qui passe pas forcément par les canons esthétiques officiels de l'art, qui passe dans le public, dans le grand public, hein, et qui reste dans les bibliothèques, dans les mémoires collectives. Les images provoquent chez les gens un écho,
qui va résonner quand eux-mêmes feront des images et qui se transmettra à la génération d'après ou à peut-être deux générations après, parce que souvent, les générations qui se suivent sont ennemies. Je pense qu'on s'entend peut-être mieux avec son grand-père qu'avec son père. J'essaie de faire des images archétypales. L'archétype du guerrier, c'est l'homme avec un gros flingue, avec une fille à ses côtés, et puis son engin spatial dans le fond. L'archétype de la femme guerrière, ça va être la femme en armure, avec des réacteurs dans le dos, un rayon laser et un pistolet dans chaque main. Ouais, la femme guerrière, pour moi, c'est un fantasme d'adolescent, je pense. Donc, est-ce que c'est une femme qui nous fait peur, ou est-ce que c'est une femme qu'on désire? C'est assez ambigu. Moi, j'essaie de faire de dessiner des femmes qu'on désire. Enfin, des femmes qui sont bien armées, mais qui sont pas méchantes. C'est-à-dire des femmes qui savent se défendre. Ça a quelque chose de commun avec les mythes. C'est-à-dire que les mythes sont universels, ils traversent le temps. Et de la même manière, je pense que les représentations visuelles se rapprochent des mythes. Le mythe d'Hercule ou le mythe d'Aphrodite, disons, est toujours vivant de nos jours, dans les tableaux. Ou l'archétype de Mars, le dieu de la guerre, en guerrier du futur. Et c'est ça qui fait plaisir dans le métier d'illustrateur et de peintre, d'artiste. C'est quand on a la sensation de faire quelque chose qui nous dépasse. C'est ça qui est incroyablement gratifiant dans le métier d'artiste. Le but, enfin le but, ou en tout cas le désir de l'artiste, c'est de provoquer chez le spectateur la même émotion que lui-même a éprouvée. Bon, ça serait la communication parfaite. Que le plaisir, c'est quand on enlève le cache. C'est magique. Quand l'image est faite et qu'elle correspond à ce qu'on a vu visualiser mentalement, alors ça, c'est le pied. Je trouve très important le fait de laisser une trace physique et palpable, et même qui puisse se dégrader dans le temps, une sorte de témoignage de notre passage, à travers un original.